30 hivers sans pluie. 30 étés sans blé. Les plaines du Fars étaient devenues aussi arides que le sel du désert de Lout. À quelques tirs de flèches de Persépolis, les Kushans, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. Les soldats perses défendaient leurs terres, quel qu'en soit le prix. Ardashir résistait héroïquement, mais ses hommes étaient tombés un à un. Anahita jetait ses dernières forces dans la bataille. Uvishka, le général Kushan, savait que la victoire était assurée. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume. L'un d'entre eux allait devenir une légende. Immortel en avant! Anahita! Ne t'en fais pas pour moi, ça va aller. Sauf Persépolis, je t'ai formé pour ça. Je vais aider mes guerrières blessées. Allons-y, Sargon. Attention, c'est du Rashabar. Aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. Thank you.
Olias a libéré le passage. Suis-moi, Sargon. Plus de flèches! Allez, cours, Sargon! On doit éliminer ces archers, Kushan! C'est pour moi! T'en as eu combien? Je te laisse passer devant pour que tu rattrapes ton retard! Immortels, ne les laissez pas s'approcher du général Huishka. Attention, Sargon. Leur général ne doit plus être loin. Je m'occupe de lui. Tiens, tu pourras en avoir besoin. Huishka, tu peux plus te cacher. Le Rachabar, c'est ça? Ta vie s'arrête ici. À moins que ce soit la tienne. Ah.
toi que la mort a choisi. Le Simorg, notre puissant protecteur, a quitté le ciel de Perse. Mais nos ennemis qui pensent pouvoir en tirer profit doivent savoir que les plus courageux guerriers du royaume sauront leur faire face. Il y a 30 ans, l'oiseau divin Simorg s'est posé sur mon épaule. Ainsi, il m'a désigné pour guider notre peuple. Aujourd'hui, moi, Tomyris, reine de Perse, je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varam, toi et tes guerriers avez une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perse! Avance, jeune Sargon. Tes exploits résonnent le long des murs de Persépolis. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. Sargon, le rat Chabar, le vent noir qui détruit tout sur son passage. Je n'ai pas choisi ce nom. Sois sans crainte. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, Prince Hassan. Oublions tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire... C'est entendu, Hassan. Tu t'es bien battu, Sargon. J'ai terrassé Uvishka. Persépolis est sauvée. Vraiment ? Des milliers de morts sur le champ de bataille. La Perse survit à peine. Et les couches, tu appelles ça une victoire ? J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Et quand il n'y a plus personne en travers... Je te jure, si ça se trouve, le prince Hassan, c'est mon fils. Arrête, Rod. Il tient de sa mère, c'est tout. Rod. Pas le genre de qui? Ah, le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Le héros du jour. Le nouveau protégé. Alors, tu fréquentes l'aristocratie maintenant? Cherche à troquer tes épées pour devenir un satrape? Allez-y, lâchez-vous. Mais rappelez-moi, qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà? Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Ah, il a raison. Tu as... Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Alors? Tu te rappelles encore de nous maintenant que t'es célèbre? Oui, bien sûr. J'essaye surtout. Ah, je vois. On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place. À sa manière. Tu sais, c'est incroyable ce que tu peux être fier de toi. On l'est tous. C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan. T'es aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours. Et avec le dernier au fait de Sargon, on va encore remplir. On a sauvé la ville. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce... Ah, je veux dire, là où on sert le manger et le boire. Je ne rate jamais ça. Varam, le prince...
Assassin s'est fait enlever. Des ravisseurs? Ils sont sûrement encore dans le palais. Vas-y, Sargon. Tu es l'un des derniers à avoir parlé au prince. Il faut retrouver le prince Hassan. Les gardes d'Anaïta? Anaïta, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Écarte-toi. C'est quoi ça? Ah, toujours un enfant. La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Thank you.
Sargon, c'était qui? J'ai cru apercevoir Anaïta. Oui, c'est bien elle. Varam, rassemblez vos guerriers. Partez immédiatement au Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces. Ils auront besoin... Vous pouvez compter sur nous, Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi. L'ancienne citadelle. Anaïta a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Anaïta a pu faire... Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a aucun sens. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Le dieu Simorgh a disparu, mais il vivait là, au mont Kaf. Il y est peut-être... Depuis toujours, c'est le Simorgh qui nomme les rois et les reines. Anaïta veut sûrement obtenir ce... Mais pourquoi enlever le prince Hassan? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorgh ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgh est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Le mont Kaf. Déjà venu? Non, mais les écrits parlent. C'est religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre. Tout le savoir était ici. Le mont Kaf abritait l'immense citadelle de la connaissance. Fierté de toute la Perse. Et? Qu'est-ce qui... Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au pied. Difficile de dire ce qui nous y attend. C'est quoi cette magie? Je suis guerrière, Sargon, pas mage. Figée en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté. Soyez vigilants. Le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod.
Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y! Varam, c'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ses chairs sont putréfiées depuis longtemps. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Nous ne sommes pas les bienvenus. Soyez sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anahita. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul.
Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. J'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là? Ils sont tous... Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur attrait est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer... On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Monka. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se... Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par... Est-ce que ça te dit quelque chose? Un prince? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Moncaf, alors il te faut un... C'est quoi? Un objet très rare et très ancien. Vas-y. Tiens, au fait, je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. Merci beaucoup, petite. Je connais même pas ton nom. Je m'appelle Fariba, et toi? Sargon. Je suis un guerrier, un immortel. Rien que ça? Alors, Sargon, c'est sûr qu'on va se recroiser. Je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Mais, en échange, tu me donneras des... Des cristaux de temps? Bienvenue au Moncaf. Thank you.
Emmenez le prince à la porte du Simorg. Anahita! Ne touche pas à... Si c'est le prince Hassan que tu veux, alors viens le chercher! Anahita! Anahita était juste là il y a un instant. Elle emmène Hassan à la porte du Simorg. Peut-être bien qu'Artaban avait raison, elle veut s'emparer du trône. Et ça, au-dessus. Je sais pas, mais si on veut rattraper Hassan et Anahita, il va falloir le détruire. Trop loin. Pour toi, comme... C'est Ménolias qui pourrait nous aider. Varam l'a envoyé en reconnaissance dans la forêt. Je vais essayer de le retrouver. Je cherche un autre passage.
Artaban. Sargon, Varam a vu les gardes d'Anaïta. Moi, je ne peux pas continuer. Le temps, mon esprit me joue des tours. Je n'arrive plus à distinguer. Artaban, merci pour ta franchise. Je n'en ai pas l'intention. Je compte bien lutter jusqu'à mon dernier. Si Anaïta a changé de camp, tu vas avoir besoin d'un nouveau partenaire pour t'entraîner. Qu'est-ce qui t'amène ici, voyageur ? Mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite d'un trait. Alors, toi et les autres êtes également piégés ici. Le mont Kaf amène son lot d'aventuriers. Beaucoup. Prends garde, guerrier. La mort et la misère. J'ai déjà regardé la mort en face. Même le guerrier le plus déterminé doit être préparé. Elle a des propriétés uniques qui peuvent. Chaque amulette est précieuse. On peut. J'en ferai bon usage. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour.